Ok. Bonjour à tous. Ok, parfait. Ah, ok, donc c'est salut à tous, c'est Oscur. Et ça y est, la quête marche. Ça n'a pas planté comme l'autre fois. Donc on est parti. Alors, bonjour. On a un viseur. Oh, c'est un viseur particulier cette arme. Il est particulier, mais franchement, ça me déplaît pas. Le chargement pourrait être un petit peu plus gros, plus rapide, mais normalement, je pense que je peux l'améliorer, donc ça ira. Il y en a des gens, dis donc. Il y en a du monde ici. Comme je le disais, il y avait pas mal de. Comment on appelle ça? Pas mal de nouvelles installations, je les avais vues dans le trailer et en effet. Ça c'est intéressant. Alors, testons cet arc. Oh. Fuck. Oh. Pas très scié ça. Ok, ok, je comprends. Non. Ok, intéressant. Donc on a une flèche pour poser des trucs et une flèche pour les détonner. Bon, l'explosion fait pas énormément de dégâts, donc je pense que ça va pas être worse sur les petites cibles. Mais ça peut être intéressant pour les grosses. Ah bah tiens, en parlant de... Bah ouais, d'accord. Voilà. Alors. Et paf. Ok, ça c'est marrant ça. Ah non. Je suis ralenti. Je suis très étourdi. Ok, ils sont morts. Ils sont morts de fou, de frousse, excusez-moi. Oulala. Là là. Mort de trouille, non, c'est ça, c'était mort de trouille. Avançons. Aïe. Oh putain de merde. Allô. Merci. Alors, allons à l'assaut. Basiquement, parce que c'est vrai que c'est là que commence l'assaut de l'Europe. Donc, n'est pas qu'il y a des nouvelles installations cabales ici. Alors ça, pour le coup, ce serait une première. Ça, pour le coup, je l'aurais pas vu venir. Alors, normalement, je pense que là, ouais, je peux réutiliser ça. Ah. Alors, bonjour, bonjour. 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 Alors il y a quelques petites installations hein, comme vous pouvez le voir. On voit que ça a commencé déjà à poser les meubles. Très très intéressant. Des ménageurs cosmiques sont arrivés. Ah! Ah putain. Ah celle-là je m'y attendais pas, bravo les gars. Ah d'accord, ça utilise les super. Che, ça t'apprendra. Ok, intéressant. Ah, c'est bon. Oh. Mar coach. Bonsoir non. Ah non, peut-être pas comme ça. Comme ça peut-être. Voilà. Ok.
Ok. J'aime bien cette mécanique. Ah, je sais. Ah non, c'est bon. La barrière est neutralisée. Avancez. Faites attention. Les cabales ont bâclé le travail. Ah. Les Vex sont suivis. Surveillez vos arrières ou vous serez pris en sandwich. Oh, j'ai l'inertie là. Oh, j'ai de l'inertie de ma chute là. Oh là là. Oh, la rapidité. Ils les mettent tous dans le vent. Aïe. Ça, c'est le bunny hop de trop, ça. Bonjour. Quoi? Voilà, tuez-les. Moi, j'avance. Tiens. Exactement, il y a vraiment des gens. Il y a vraiment des trucs stylés. Partout. Très, très stylé, ça. Avec des petits hologrammes. J'adore les petits hologrammes, c'est la petite touche. Oh, putain. J'ai hâte de planter des flèches sur un truc, sur un ennemi. Lui mettre une grosse attaque de mêlée pour l'achever et avoir une grosse explosion de feu derrière. Ça, c'est mon truc. Là, vous voyez, ça, c'est exactement ce qu'on attend d'un pass saisonnier. Vous voyez, c'est des endroits qu'on connaît, mais avec des changements pour pas qu'on se dise « Ah, putain, c'est les mêmes, tu vois. » On les rénove un peu, il y a des installations cabales derrière. Bon, ça pourrait être un petit peu mieux utilisé au niveau du gameplay. Et pas juste du décoratif. Parce que là, pour le coup, il y a pas mal d'endroits où, genre, qui ne changent pas forcément non plus notre itinéraire. C'est-à-dire que c'est des endroits qui sont posés à côté, à un commandement, un petit peu comme on poserait, je sais pas moi, une commode ou autre chose, quoi. Alors que si c'était des endroits qui permettent... Vraiment, on doit passer par là. On doit passer par des nouveaux endroits pour avancer dans le niveau. Intéressant. Bah, par exemple, là, voilà, ça, exactement. Exactement ça, par là. Paf ! J'adore parce que... J'adore cette arme parce que vraiment, c'est impossible de savoir si je fais un super ou pas. Ok. Calibrage solaire terminé. Non mais c'est génial! Parce que ça synergise avec la stase. Ça va faire une explosion de glace, ainsi qu'une explosion de feu. Ok, parfait. Ouf. Oh. Monsieur. Et... Paf. Oh, ça a bien explosé, sa mère. Oh, j'ai un marteau. Oh, j'ai un marteau. Je sais pas à quoi ça sert, mais j'ai un marteau. Les cabales veulent les secrets de la crypte de la pierre. Je ne comprends pas pourquoi ils voudraient devenir des machines. Qui pourrait Parfait. Perdre sciemment tout ce qui fait sa personnalité. D'après ce que j'ai compris, ceux qui sont devenus des exos ne se sont pas toujours portés volontaires. Et moi qui pensais que les gens de l'âge d'or étaient des êtres éclairés. Je parie que les cabales se voient comme ça. La façon dont vous parlez des cabales. D'autres disent cela des Elixni. Surtout à la tour. Ah. Shax rit ouvertement du fait de les tuer. Certains gardiens portent leurs os sur leurs armures, comme s'il s'agissait d'animaux. C'est différent quand vous les avez fréquentés. Quand vous avez partagé un repas avec eux. Je compte pas prendre un repas avec des cabales de sitôt. Intéressant. Oui, alors certes, on porte peut-être des ossements sur l'armure, mais ça, c'est Bungie. C'est pas notre faute. Demande à Bungie la Small Indie Company et elle te répondra. Oh. C'est ça. Par contre, j'ai un marteau. C'est une arme ? Non, c'est pas une arme. J'aime bien ce qui me semblait. Sinon, ce serait trop stylé. Imagine avoir un marteau. Autrement que dans un super. Non. Hop. Hop. Hop, voilà. Là. Hop. 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 Hop, voilà. On va faire un peu de nettoyage parce que la merde. Hop. 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 Et après, bon, cela, je le garde. On sait jamais. Bon, maintenant qu'on a fait tout ça... Paf, 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 paf. Niveau 2, déjà.
Et les modules d'amélioration sont présents. Merci beaucoup. Des défis qui ont été terminés? Non. Il y a des verrouillages d'artefacts. Et il faut aller voir le conseil de guerre. On retourne à cet endroit magnifique. Alors, pendant ce temps, tac. Tenons le mode. En fait, je vais déverrouiller tout cela d'abord. Comme ça, on aura tous les modes disponibles pour déstabiliser des champions. Fuck, c'est vrai qu'il n'y a qu'une seule capacité. Bon, ce sera déjà pas mal. Ok, bon. Par contre, j'ai deux armes cinétiques, j'avais pas vu. Enfin, deux armes cinétiques. Deux armes à munitions principales. C'est chiant. Mais pour l'instant, ça passe. Alors que vous vous approchez de la table, vous remarquez le marteau cérémoniel récupéré lors de votre dernière mission. Une lumière chaude et dorée s'échappe des yeux de la bouche du visage cabal gravé sur l'une des têtes, comme si un feu brûlait à l'intérieur de l'objet. C'était une offrande, explique Osiris qui se trouve derrière vous. Ah oui, donc c'est Osiris. Donc. C'était une offrande de la Légion Rouge à Kayatol. Les cryptarques pourront vous donner plus de détails sur son histoire, mais c'est son utilité qui importe. C'est un symbole de la culture, de la puissance et du droit cabal. Et maintenant, il est à vous. Maîtrisez le marteau et forgez-vous un chemin vers la victoire. Ah mais c'est vraiment une arme! Let's fucking go! Oh! Incroyable! À moins que pas du tout. Attendez. Non! C'est quand même pas une arme non plus, en fait. C'est juste... voilà, vous avez un marteau, regardez. Et vous pouvez l'améliorer. Nouvelle rune d'insertion qui vous permet de... mais pourquoi je vois pas le visage avec le feu et tout, bref. Nouvelle rune d'insertion qui vous confère une chance d'obtenir un engramme de l'ombra concentré, d'accord. Donc c'est basiquement ce qu'on a eu sur Europe. Avec Varix. Et les contrats de machin et les pour toujours. Non, c'est pas les pour toujours. Si je sais plus. Alors, tac, 1250, 1250. Donc, les grèves de ténacité. Oh putain. Ça, c'est les. Ah oui, mais ça, c'est le. Les armes du pass de l'autre fois, ça. Ça, je reconnais, ça. Très bien. Ça, c'est 1250, intéressant. Ok, cool. Ah, mais j'ai pas amélioré ça, fuck. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, aïe. Bon. Les gain XP, oui. Pas les coffres, non. Le lumen, oui. Voilà. Et ça sera plus tard. Une fois qu'on aura les trois matrices d'amélioration qui nous manquent. Ok. Bon. Très bien. Maintenant, le but, c'est avoir de l'or cabal. L'or cabal qu'on a en forgeant un truc. Un mode. Non. Ok. Bon, c'est un peu comme les tracks de machin. Ok, intéressant. Donc, oulala. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, je m'y attendais pas, celle-là. Étape de quête 6 sur 12. Ah, ok. Armez-vous du marteau d'assertion afin de piller l'or cabal lorsque vous terminez des programmes d'assaut des parties du gambit et de l'épreuve, les événements publics, des donjons et des chasses au cauchemar ou le puits aveugle. Ok. Le marteau d'assertion permet de forcer des combats pour l'honneur, ok. Ce qui évite le risque de guerre ouverte avec les cabales. Ok. Cependant, pour que le marteau soit légitime, l'or cabal doit y être inséré. Ok, intéressant. Et donc l'or cabal, ce sera lorsqu'on fera des assauts. Ok. Bon. On va devoir faire des assauts, c'est ça, basiquement. Je sais pas si ça compte si je fais des missions de la campagne. Donc on va pas le faire. Par contre... ah mais on peut pas faire l'assaut, non? Si. Non! Merde, bon. Je vais voir s'il y avait du changement à ce niveau-là. Bon. Ah, alors, champ de bataille. Ok. Champ de bataille, donc nuit noire grand maître, ok. Nuit noire, et on a les assauts de l'avant-garde. Ok, donc c'est mieux présenté, mais c'est à peu près la même chose, ok. Donc ça, brûlure abyssale, ok, intéressant. On va passer en abyssale. Ah si. Utilisez la garde avec bouclier de sentinelle pour créer un mur défensif. Les alliés qui tirent à travers le mur regardent des dégâts d'armes, ok.
Alors, plein d'ennemis avec cette attaque mémé pour prendre Goku dans une salle. Et touche une cible avec une capacité abyssale pour lui attacher un détonateur. Une capacité proche récupérer des points de vie lorsque les détonateurs abyssaux explosent. Ok. Bon, on va tester ça. Sachant qu'il y a ça aussi. Ok. Ok. Ah bon, on va monter encore plus haut, bien sûr. Le but est de monter très haut. Parce que ça fait plus de dégâts, vous savez. Ok. Bon, donc on a la doctrine abyssale. Maintenant, c'est parti pour faire des assauts de l'avant-garde. J'ai rien dit, il faut qu'on prenne des quêtes de l'avant-garde pour maximiser nos chances et nos gains. Donc il faut retourner à la quête, à la tour. Ça, c'est chiant, par contre. Bon. Mais après, on ira bien. On sera bien. Ok. Non, mais j'aime bien cette armure. Honnêtement, j'aime bien cette armure. C'est stylé. J'aime bien le petit plumeau en haut. Franchement, ça donne tout son style. D'ailleurs, on va faire un truc tout de suite, c'est-à-dire prendre ça. Pouf! Voilà, j'ai plus rien. Let's go. Mais j'ai quand même un truc incroyable. La coque du lampion. Pas très stylé. D'ailleurs, si. Ne me dis pas que je peux changer la. Non, je peux pas changer la couleur. Mais ce serait incroyable si je pouvais. Mais ça fait des effets bizarres sur les textures, mais ça change pas les couleurs. Bref. Alors. Ah, c'est vraiment. J'avais vraiment oublié à quel point Tarantule était chum quand même, mais bon. Alors, oui, Zavala, monsieur. Oui, les contracts. Putain, il y a moins de contrats. Il n'y a plus de contrats hebdomadaires? Moi que je les ai déjà fait. Je crois que j'ai déjà fait. Putain, j'ai 420. Ah bah let's go. Le crochet de la tentation, bah let's go. J'aurai une épée au cas où. Maintenant. Non, j'ai trop de trucs là qui servent à rien, mon dieu. Ouais. Le fusil à fusion linéaire aussi. Voilà, puis le reste on garde. Ok, merci monsieur. Toujours ce magnifique endroit. Du coup, maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir enfin passer. Donc, un assaut de l'avant-garde, c'est parti. Ok. Je vais en profiter pour mettre un petit revêtement sur ça, là. Celle-là, elle est stylée. Mais on avait vu que celui-là aussi. Ah, ouais, ok. Intéressant. Je vais tester celui-là, le sang carboné. Ensuite, en craftant plusieurs. Oh, il y a des triomphes. Oh, il y a des styles. Oh, il y a des. C'est ça, c'est vrai. Tac, 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 tac. Là. 1, 2, 3, 4, 5. Merci. Là, on a tout ça, on a tout ça. Oui, l'armure ténacité. Donc, c'est bien les saisons du pas saisonnier où je n'utilisais pas le titan et donc, du coup, j'ai pas eu les armes. Enfin, les armures, je veux dire. Les armes, j'ai eu pour le coup. Ok, donc les monstres, ça a été fait. Ok. Donc. Ah bah tiens! Nous sommes là, l'inconnu. Ah, donc ils ont bien enlevé ça. Ok. Quel est notre plan? Malgré nos efforts, le portail des Vex reste actif à cause de Vigrid. Qu'est-ce qu'il y a? Détruire nous ferait perdre un lien majeur avec les Vex. Putain. Oh, ils sont cons quand même, chez Bungie. Pour l'instant, nous devons empêcher toute nouvelle Aïe incursion. aïe aïe. Compris. On s'en occupe. Non mais sans déconner. Pour ceux qui n'ont pas compris ce qui vient de se passer là, on est en plein dans l'assaut d'Europe que je peux pas sélectionner parce que j'ai pas terminé la campagne de Au-delà de la lumière sur ce compte là. C'est incroyable. Fuck, j'aurais dû le faire plus tôt. Mais bon. What the fuck? Ah non, on est pas les seuls. Voilà. Ah, ces explosions. Ouais, let's go. Au revoir. Il est littéralement tombé. Il a glissé. Fuck. Parfait. Alors.
maintenant ou ça explose. Attendez. Hein. Hein. Incroyable. Ok, parfait. Donc. Ah, donc cet assaut donc a bien changé. Je pensais qu'ils allaient. Il y aurait, ça aurait été marrant si les assauts étaient. Ouh. Il s'est baissé. Ce con. Parfait. L'autre est mort. Ça s'appelle comment? Ok. Très bien. Jamais je regarde. Jamais je regarde les pseudos des gens. Terminé. Tiens. J'adore. Avec Titan, je sais pas pourquoi. Tout ce que j'ai, ça explose. C'est. Vraiment? J'ai des armes de mêlée qui explosent, je peux foncer et créer une explosion sur le sol. Mon super, c'est j'explose. Je fais à peu près la même chose en fait. Mais sur un mec. Enfin, c'est beau. Est-ce que là, ça va exploser aussi? Ah oui, ça explose. Enculé. Mais il se TP! Il lag! Le mob lag! Et paf! Ah, vous ne attendez pas à celle-là. Putain, il s'est avancé. Ma seule faiblesse. Ah, c'est bon, ça va. Je trouve que j'ai tombé. Let's go. Ok, parfait. Alors. Ok, parfait. Encore à réparer les dégâts de Clovis Bray. T'as qu'à lui dire en face. Exactement. C'est à cause de lui que tout se passe ici dans un premier temps. Dans un premier temps. Pas la peine de ressasser le passé. Attendez, on est d'accord que elle a... j'ai déjà commenté sur le fait qu'elle avait dit dans un premier temps une fois, parce que j'ai certainement déjà fait cet assaut là dans une vidéo, donc. Mais on est d'accord que ça vient totalement de la traduction de In the First Place. Et ils ont essayé de faire un truc en mode pour que ça fasse un peu pareil, mais sauf que ça fait pas pareil du tout parce que c'est un peu intraduisible. Oh, t'es chiant. Bonjour. Tiens. Tiens. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je suis tout violet? Ah, je suis un super. Ah non! Non! C'est ce que ça veut dire! C'est ça que ça veut dire! Je savais pas ce que c'était. Oh merde. C'est la première fois que j'étais stupéfait. Bonjour. Non. En toi. Paf. Alors. Paf. Je te tacle dans la gueule. Et paf. Ah oui, on va s'amuser avec ça. Très bel assaut. Très beau choix de... Ouh là là, c'est ça. Ah ça y est. Le mec dont j'ai pas envie de regarder le pseudo est là.
Une deuxième. Ouh. C'est bon ? Non. Allez, c'est parti. Voilà. Alors. Paf. Va falloir que je mette mes coups de grâce d'ailleurs. C'est pas possible. J'ai des coups de grâce si stylés et je me retrouve avec ça là. On a la petite saut de cabri. On dirait les pénaltys de Bruno Fernandez. Oh la rêve foot. Voilà. Bien. Oh non, j'en ai qu'un. Fuck, il faudrait que j'aille. Faut que je débloque alors. Faut que je débloque dans le. Fuck, dans la collection, vite. Bon, bonne chance, les gars. Alors, où est-ce que je les prends? Oui, là. Allez. Vous en sortez bien, les gars, hein, parfait. Ok. Vous en sortez parfaitement, les gars. Donc, favori. Parfait. On lancera un aléatoire. Alors. Merde. Vrai gamer continue de jouer même quand il éternue. Vite. Ok. J'ai. Ok. Et toi là? Oh, c'est parti. Qu'est-ce qu'il se fait hein, bâtard. Ok. Je me souviens plus de ce fut super, donc c'est pour ça que je fais de la merde avec, mais c'était juste pour savoir comment est-ce que ça se marchait. Plus comme ça maintenant j'ai des orbes de lumière, donc j'ai pas tellement perdu non plus. Tac. Ouais, entière, ça va. Oh fuck. C'est bon. Parfait. Ah, let's go. Ah, c'est peut-être le moment de t'enculer d'ailleurs. Dis-moi. Alors, on n'est pas dans le bon endroit, je crois. Quoique. Ok. C'est pour les contrats. C'est pour les contrats de l'armurier, messieurs. Alors. Alors donc. Ok bon. Oh putain, on se fait chier. Alors. Fuck. Voilà, ça c'est fait. Maintenant on est parti. Oh. On se fait chier. Voilà. Il est mort ? Ça y est. Parfait. Alors du coup là. Bon bah alors je m'attendais pas à voir ça mais ok, merci pour le catalyseur. Merci pour le catalyseur les gars, let's go.
C'est normal, ça doit être parce que c'est le premier de la nouvelle saison, du coup ils ont un peu tweaké le truc. Et du coup on est de l'Orcaba, let's go. Et on va maintenant l'insérer dans le marteau d'insertion. Et paf. Ok. Et maintenant on peut piller le tribut Cabal. Oui. Défier un commandant et piller le tribu à la fin d'une activité. Hein. D'accord. À la fin d'une activité, en champ le cas de bataille afin d'interrompre le rythme d'insertion. Bon, le champ de bataille se trouve dans le carte céleste dans l'émission de la regarde. Ok. Voilà, tac. Roulure abyssale, toujours. Donc c'est parti. Ok. Donc du coup j'ai eu un catalyseur pour une arme que j'ai pas tout de suite là mais dont je dispose. Donc ça fait plaisir. Merci beaucoup. Tac. Tarentule bien sûr. Tarentule ou tarentule. Eh oui, on a le choix entre les deux. Ça, c'est bien ça. J'aime bien avoir le choix. Oh, c'était stylé ça. Qu'est-ce que je voulais prendre? Qu'est-ce que j'ai regardé aussi? Fuck, bon, je sais plus. À l'attaque! Ah bah c'est. On a fait avant. Et. Ah, j'ai loupé. Ça c'est bien. C'est pas une charge de titan ça. Allez, venez là. Yeah. Ok. Voilà. Meurs. Ok, ça y est, j'arrive à plus être endormi par le jeu. Parce que c'est vrai que c'est Destiny, c'est vraiment un jeu qui m'endort au niveau de ma visée. Oh, putain, je lui tire dessus. Il l'a loupé. Ça va, ok, ils sont sympas, ils sont sympas de fou. Mais bon. Alors. Ok. Oh, un engramme puissant en plus, let's go. J'arrive. Let's go. Enfin, puissant, parfait. Ils sont forcément puissants. Ce sont des engrammes. Voilà. Tiens. Et je m'envole. C'est pas la meilleure grenade que j'ai fait de ma vie, mais ça se passe quand même. Ok, ça c'est pas le meilleur chargeur que j'ai fait de ma vie. Ça y est ? Ah, ça y est, il est là. Lui. Allez. Je suis là pour le coup, je pouvais pas le coup de grasser. Les coups de grâce marchent bizarrement dans ce jeu, vous savez. Ok. Toi. Ah. Un champion bloqueur. J'ai pas de déblocage. Eh ben, on est dans la D. Ah, merci. Oh, let's go, une matrice. Tiens. Et toi. Tiens.
Haché. Tiens. 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 À l'attaque. Tiens. Oh et puis merde. Par là. Ok, let's go. Ok, let's go. Parfait. Oh fuck. Et on recommence. Parfait. Fuck. J'ai l'habitude d'avoir une portée assez grande, mais je pense que même avec l'arcanier ça aurait pas touché. Ah fuck. Putain. J'ai des petits bras. Voilà. Voilà. Attendez, d'abord on va utiliser tous les munitions de tarentule avant de... Quoi? Mais putain! Oh, quelle arme de merde! Et quand tu bouges, toi? Tiens. Ok, parfait. Merde, il n'y a plus là. Il n'y a plus les munitions lourdes, ça me prendra. Là-bas. Voilà. Paf. Enfin. Enfin, un vrai coup de grâce, quoi. Parfait. Ah, j'ai vraiment spammé la touche C, quoi. Cherche la crypte de la pierre ici. Ok. Allez. Bon, cet endroit on l'a déjà fait du coup, mais c'est bien de le refaire histoire de voir un peu comment est-ce qu'on peut optimiser tout ça. Parce que je sens que c'est le genre de mission qu'on va refaire. Donc c'est une sorte, un peu, c'est voilà, c'est une sorte d'assaut un petit peu bizarrement, enfin basiquement, mais avec pas mal de modifications sur l'endroit auquel on va. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est à peu près le même endroit où. Enfin, c'est pas vraiment le même endroit que l'assaut, parce que bon, au bout d'un moment, on finit par prendre une petite bifurcade. L'assaut il est. L'assaut il y va à gauche et le champ de bataille il va à droite, quoi, basiquement. Mais c'est déjà une mission qu'il y a dans la campagne, donc on la connaît à peu près, basiquement, cette zone. Et j'avoue que, bon, du coup, si t'es un connard qui va très très vite devant, bah là tu vas juste courir en fait. Du coup, je vais juste taper les ennemis. Tiens. Paf! Tiens. Tiens. Voilà. Ah bah tiens, il est mort, chais. Ça prendra. C'est vraiment nul à chier ce que je fais, putain. Je me ralentis moi-même. J'ai pas les outils pour aller plus vite. On aurait bien besoin. En vrai, j'aime bien cette mission, pour le coup. C'est un peu que ça me fait penser justement à lorsqu'on a détruit la gueule de. Qui c'est Phylax ? Je sais plus. Cette meuf, quoi. Mais sauf qu'on n'a pas le combat chiant à la fin.
On a un combat moins chiant. Après, je dis pas que je vais finir par le revomir cet assaut, mais... Enfin, cette mission, mais... En tout cas, pour l'instant, ça va. Allez. Tiens. 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 Ah. Il m'a one shot. Ah. Je suis si déçu. Mais ça va. Est-ce que ça tout va bien? Voilà. Où est le... Où sont le... Ah, ok. Oh merde. Ok. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ça là? Chiant là. Meurs. Non mais je veux pas de dôme là. J'ai eu suffisamment de séries sur des dômes pour voir comment ça fonctionne, enfin, comment ça terminait. Voilà. Oh fuck. Ils sont beaucoup là. Que j'étais presque. Mais putain, mais c'est quoi ces dégâts? Fuck. Connard. Ouais. Connard. Il y a beaucoup de gens qui me tapent dessus. C'est bon, on peut le tirer dessus. Oui, en effet. Ça a l'air d'être le gars. Tiens. Bon, bah voilà. Fiu. Plus laborieux, mais on a réussi. J'aime bien cette chambre de bataille. Je trouve qu'il a été un peu... Il a été un peu sous-estimé. Oh, si. C'est marrant ça. On peut péter le truc là quand on a une charge de marteau, intéressant. C'est vachement stylé comme animation, on n'en parle pas assez mais... Avec qui converser. Oh, c'est beau. Oui, je comprends. La surprise. Surprise, je t'apprécie. Ah, tu ne t'en pas à celle-là. Alors, attendez, j'ai un emblème encore, mais oui, mais j'ai déjà vu celui-là. J'ai eu quoi d'autre? J'ai eu ça, là. J'ai eu ça. Avenir lointain, un fusil de pression. Oh, oh. Stylé tout ça. Ah. Améliorer la précision. Ok, ça c'est stylé par contre. Moi qui adore recharger pour aucune raison. Ça va être intéressant. Et j'ai enfin une arme avec des munitions spéciales. Donc c'est cool. Bah, parfait. Maintenant on en est où? Ah oui, déjà, au revoir. Et ensuite, donc nouveau niveau. Ah, qu'est-ce qui se passe? Non. Là, c'est ça. De l'XP. Putain, je suis déjà niveau 4. Bah, voilà, c'est ça. Parfait. Parfait. Tac, tac, ça on l'a vu, ok. Et maintenant, putain, il y a tout qui brille. Ok, donc on a fait les 3 charges du marteau, ok, intéressant. Là, je peux recommencer. Non, il manque de l'orbe, ok. Il faut que j'aille faire le conseil de guerre, c'est ça. Vos pillages ont permis de charger le marteau d'insertion. Rendez-vous au conseil de guerre de 6 000 en avant dans l'utilisation de votre marteau chargé et votre tribu pillé, ok. À l'attaque, dans ce cas.
Allez. Vroom vroom. Alors, tac tac tac. Alors, selon nos messages bien visibles, j'attends conseil de guerre. Donc cela fonctionne. Chacun de vos défis sape un peu plus la confiance des cabales dans la gestion de Kayatol. Les systèmes indisciplinés ont déjà fait des dirigeants cabales. Ont déjà défait des... Oh putain, mais c'est chiant. Les systèmes indisciplinés ont déjà défait des dirigeants cabales. Continuez vos efforts et n'oubliez pas de prendre le butin de vos triomphes. D'après la loi cabale, ces offrandes vous appartiennent désormais. Nous pourrons peut-être les mettre à profit grâce au marteau que vous tenez. Merci Osiris. Je peux faire un truc avec ça ? Non. Il faut que je concentre cet engramme. Oi, oi, oi. Optimisation ? Optimisation, optimisation. Alors, donc. Je peux pas voir, c'est... Ok. Ok, 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 ok. Il y a des trucs bizarres, là. Ok. Donc, arme des élus ou... Une armure des élus. Oh non, une armure des élus, tiens. On peut prendre les deux. Non, on peut prendre un. Ok, et on en a pas mal. Ok, intéressant. Donc, maintenant... Parfait. Je clique sur le décryptage d'engramme. Et j'obtiens le fanion de préfet. Je suis donc maintenant au niveau 50. 150. Et donc 1252 de puissance. Parfait. Et ensuite, maintenant, on retourne là-bas. Un conseil de guerre. Le conseil de guerre, ce message, je suis sur ça. Non, je sais plus comment il parle, lui. Votre force sur Europe et Nesso, c'était louable, mais il y a des dizaines de cabales opportunistes qui souhaitent obtenir une promotion. Affûtez vos lames sur les commandants du Kayatol. Si Zavala ne veut pas s'en prendre directement à sa flotte, nous devons nous concentrer sur... Ah, nous devrons nous contenter d'une mort à petit feu. Excusez-moi. Et maintenant, on a de l'or, ce qui va nous permettre de charger notre marteau. C'est bien ça. Oui. Paf. Et donc chargé. Et maintenant, on pourra faire une chasse à balles et donc avoir pas mal de trucs. Ok. Intéressant, intéressant, intéressant. Bon, c'est comme ça que ça va marcher, basiquement. Ok. Et du coup, on a terminé la quête, je suppose. Oui, on a terminé la quête. Là, maintenant, il ne nous reste plus que les défis de la saison. Et du coup, le machin. Ok, très bien, intéressant. Donc ça va, bah c'est cool. On va pouvoir faire des trucs différents. Je vais peut-être pouvoir... comment dire ? Je vais peut-être pouvoir... oui, refaire des vidéos lorsque il y aura du nouveau changement. Mais là, pour l'instant, bah, vous avez tout ce qu'il faut savoir un petit peu pour cette mission de Destiny 2 donc sur ce pass saisonnier. Voilà, ça a duré voilà, deux vidéos de 40, de 50 minutes. Et toi, tu vas toujours rien faire. Ouais, tu vas toujours rien faire. Okay. Bon, bah parfait. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mesdames et messieurs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, tout ça. Et à vous abonner à la chaîne pour aller de nouvelles vidéos. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine. C'était Oscur. Salut!